Salut à tous les ninjas, c'est Miskachok, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau let's play de Metal Gear Rising Revengeance. On va regarder un ninja Raiden. On a lâché Ryu Hayabusa pour réincarner Jack, alias Raiden. Et on va faire un let's play, ce jeu là est vraiment formidable. À l'heure actuelle, je ne l'ai pas encore fini, je suis à la fin. J'ai décidé de vous faire ce let's play à la suite de Ninja Gaiden, simplement parce que c'est vraiment un coup de cœur. Je l'avais oublié, j'avais fait une démo, et je l'avais oublié, et j'y ai repensé, et je l'ai acheté, et je ne le regrette vraiment pas. Malgré, au début, j'avais quand même un peu de, comment on peut dire, des appréhensions sur ce jeu-là, parce qu'on devait tuer des robots. Et bon, c'est des humains avec des membres de robots, c'est des cyborgs. Et même tout ce qui est combo et arme blanche, c'est vraiment excellent. Vous avez kiffé Ninja Gaiden? Ben voilà, ça c'est Ninja Gaiden x10, je vous assure. C'est vraiment excellent. On va faire une nouvelle partie. Alors moi j'ai joué en normal, là on va jouer en facile parce que franchement en normal, je suis en normal. Et ce jeu est vraiment difficile. Même en normal, je galère à tuer les boss. Ça pourrait être 30, 40 minutes par boss. Je suis peut-être parce que je suis nul. Mais bon, là, en facile, je pense qu'on va pas faire ce... Je vais essayer de pas faire longtemps les boss, parce que sinon je ferai des coupures, je ferai des montages, parce que sinon ce serait pas intéressant pour vous de regarder. Et ce qui est intéressant sur ce Metal Gear, alors avant de commencer, je vais vous... Cet premier épisode, ça va durer quoi, 20-30 minutes, je vais beaucoup blablater. Alors, ce premier épisode, Metal Gear Solid Rising, avec Raiden, en fait... Pardon pour le truc qui est tombé. C'est l'histoire de Raiden. C'est la suite en fait. Vous l'avez vu, la première apparition de Raiden, vous l'avez vu dans Metal Gear Solid 2 avec Snake. Et à la fin de Metal Gear Solid 2, il était déjà, c'était ses premiers pas de ninja. Après, vous l'avez, il est tombé amoureux de la Rose. C'était la femme qui faisait les sauvegardes de Metal Gear Solid 2. Il est tombé amoureux de Rose et ils ont une petite fille. Après, vous avez vu Raiden, il a réapparu sur Metal Solid 4, sur PS3. Et là, c'était vraiment c'était le ninja. C'est le ninja qu'on va contrôler là. Parce que dans ce jeu-là, la première partie, on a le Raiden de Metal Gear Solid 4. Et la deuxième partie, juste après le premier niveau, vous verrez que va devenir Raiden. Voilà, ça c'était pour mettre les choses en place. En fait, Metal Gear Solid, la licence Metal Gear Solid, c'est vraiment vachement bien construit parce que tout se suit, tous les épisodes se suivent. Là, on suit l'histoire de Raiden de son côté. Bon, je pense pas qu'on va rencontrer Snake, non pas du tout. Je pense pas, peut-être à la fin, je sais pas du tout parce que j'ai pas fini le jeu encore. Je sais pas du tout, je me suis pas renseigné parce que j'ai pas envie de me spoiler. Je sais pas du tout si on va rencontrer Snake. Ce serait sympa de rencontrer Snake quand même, ça fera un petit clin d'œil. Mais bon. Là, c'est vraiment l'histoire parallèle de Metal Gear Solid, de Raiden. On avait fini avec Raiden dans le cas justement où on a tué tous les Patriotes. Il va faire référence aux Patriotes. C'est vraiment la suite. Voilà. Bon, allez, on va finir de blablater. On va commencer. Je pense que pendant le let's play, je vais vous raconter l'histoire de Metal Gear Solid, de tout ce qui s'est passé. Parce que je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Allez, nouvelle partie. Je suis en normal, je galère. Et j'imagine même pas en difficile comment ça doit être le jeu. Mais je le ferai après, je le finis en normal, je le ferai en difficile et je le ferai en facile avec vous, justement, pas pour que vous me voyez galérer. Ok, là c'est le tutoriel. Vous voulez le tutoriel? Non, on va pas vous mettre le tutoriel, on va pas... Non, on va pas... Je sais comment jouer, ou c'est pas intéressant le tutoriel, ça vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Moi je vais me taire un peu pour vous suivre l'histoire un peu. Allez, je me tais. Bon, vous connaissez, je peux pas me taire pendant les histoires, je vais pas. Je vais profiter, j'ai toujours ma petite tasse de thé, hop, je bois une petite tasse de thé pendant que je vous redis l'histoire, ça, impeccable. J'espère que pour la qualité du micro, ça va être mieux. J'ai essayé de faire des réglages, donc pas entendre des petits grésillements, qui est simplement les ventilateurs du PC et puis de la Xbox. C'est des grosses vaches, ils font plein de bruit. Mais bon, j'espère que ça va pas vous gêner. Je verrai quand je ferai le rendu, quand je réécouterai la bande-son. Si c'est encore gênant, je ferai le nécessaire pour le prochain épisode. Parce que j'ai envie que ce l'esprit là soit formidable. Soit le meilleur que j'ai fait. Mais bon, on verra. Bon, moi, je vois mon petit nouveau, je vous laisse l'histoire. Just doing our job.
des petits bruits, il faut que je cherche la télécommande, il faut que je mute la télé pour pas que ça dérange ma femme et mon fils. Ok, j'ai plus tout de son histoire. Est-ce que faisons ça, c'est bon. J'ai le son avec le PC qui est décalé, mais bon, c'est pas le plus important. Vous voyez, au fait, tout ça, c'est des cyborgs. Vous voyez, ils ont des comment ça s'appelle? Des codes barres sur le visage. C'est leur identification, un peu à la Hitman. Et vous faire un petit clin d'œil, dans les autres Metal Gear, on devait récupérer les plaques des soldats. Enfin, vous pouvez lire un. Si après, ça vous saoule que je blablate, hein, vous coupez ma voix et vous lisez bien l'histoire. Je disais, dans les autres Metal Gear, sur les soldats, il y avait un petit jeu, c'était les mettre en joue pour récupérer la plaque. Pour avoir leur nom dans le menu après, il fallait récupérer un certain nombre de plaques. Et là, dans celui-là, il faut pas récupérer les plaques, il faut récupérer leur tête, parce que la code barre est sur leur tête. Leur identification, comme c'est des cyborgs, c'est plus sur des colliers, sur les codes barres. Il faut recouper la tête pour avoir leur identification. Et c'est ça que je trouve sympa, ça suit quand même la série. Et là, dès le début, une fois que l'histoire a passé, je vous montrerai vraiment que ça suit vraiment la série Metal Gear, avec le codec et tout ça. On verra quand on y sera. Je vous laisse continuer l'histoire. Parce qu'il y a de l'action. Pardon, je tape dans le micro. Je le décale pour boire un coup. Vous allez. Voyez. Dès le début, ça vous met dans le bain. Je pense pas finir la première mission, je sais pas, on verra. Parce que j'ai quand même pas mal blablaté dès le début. On va voir. Vous voyez les codes barres sur les fronts? Ça, en fait, c'est des anciens humains, c'est des humains qui sont transformés en cyborgs. On leur a implanté des nanomachines dedans et ils ont des bras mécaniques. C'est un peu des robots, c'est des humains-robots. Ils ont des âmes des humains, ils ont l'esprit humain, mais ils ont un corps de robot. Elle, Courtenay, elle va faire. Je vous expliquerai tout qui sont les personnages. Est-ce que je sais. Très bien, je parle quand quand il parle, voilà, comme là. Je parle pas quand il n'y a pas de parole. Allez. Attention, beau costard. Putain. Allez, comme il enlève le costard, c'est rapide. Hein. Ah oui, faut pas servir le costard, on va pas se battre, on va pas mettre du temps sur notre beau costard. Allez, comme il est stylé, le ninja. Il sera encore plus stylé après. Le sabre. Et je vais vous montrer ce que je kiffe faire, le combo que je kiffe faire. Vous allez voir, c'est pas comme dans Ninja Gaiden. Franchement, si on peut affronter Ryu et Raiden, ce sera vraiment un beau match. Que le spectacle commence, yeah, allez. C'est parti, mon kiki. Allez. Ah, on s'en est, je suis plus motivé, je suis motivé à faire ce qu'il y a, j'ai envie de faire quelque chose de bien et pas trop merder. Hop. Ouais, juste. Ouais, ça la particularité. Il met l'épée sur le pied, il se bat avec son pied. C'est pas stylé? Regardez, on va faire le. Voilà, que protège comme ça. Regardez, ça c'est le mode katana ça. Là, comme ça, vous pouvez le découper en 1000 morceaux. Et en haut, sous la barre d'énergie, vous avez une barre jaune en haut à gauche, 100. Et en dessous, il y a une barre qui va se remplir bleu. Et quand c'est la barre bleue, c'est là qu'on peut faire le mode katana. Et c'est là où c'est le plus puissant. Regardez comment on peut. On est classé dans chaque combat. Mais moi, je m'en fous du classement. Regardez. Comment on peut tout découper. Et faire ça nous fait gagner des points pour améliorer notre soldat.
Là, faut juste faire après parce que là, on peut pas le faire. Après, on peut améliorer notre épée, nos compétences de combat. On peut tout améliorer, on peut même customiser notre ninja avec des nouveaux costumes. Et couper les objets. Ah, il y a des espaces stylés, ça? Allez, je coupe un arbre entier. Et ça, d'un mot, ça nous fait gagner des points. Et pour améliorer notre soldat. Voilà, si vous avez besoin de bûcherons, hein, appelez-les. Hein. C'est pas stylé, les combats, comme ça. Avec le pied, comment je kiffe faire un combat avec le pied. Hop, 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 hop. Tiens. C'est vraiment excellent comme jeu. Hop, 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 hop. Alors moi, là, j'ai pas encore assez de puissance pour. Ah voilà. Voilà, regardez, voyez. À un moment, on doit récupérer, pas maintenant, après, je peux vous spoiler. Vous voyez comment je l'ai découpé en mille morceaux? Hop. Ah, c'est le tutoriel au début. Voyez comment. C'est pas excellent ça? C'est excellent. C'est pas encore. Et normalement, après pour gagner de la vie, eux ils ont quelque chose dans eux, ils ont quelque chose, une sorte d'énergie qu'on doit récupérer pour gagner de la vie, justement en plein combat. On peut, pendant le combat, gagner de la vie. Nous, ça les découper, on récupère sur la colonne vertébrale l'énergie pour nous justement gagner de la vie. Bon, je vous expliquerai ça en temps et en heure. Là, on va faire la mission. Prêt pour passer. Hop, simple. Pourquoi chercher? Voilà, on passe. Pas cool ça? Je laisse l'histoire. Bon, un petit gorgé. On s'en foutait que je bois du thé, mais bon, je dis pas rien. What? Un Metal Gear. On affronte dès le début du jeu un Metal Gear. Vous imaginez? C'est le Metal Gear qu'il y a dans le 2, c'est le Rex. Dès le début du jeu, on affronte le Metal Gear. Vous imaginez ça? C'est excellent, hein? Ouais. C'est parti. Vous voyez lui là? Bah justement, en off. Donc je suis à l'heure où je vous parle. Je suis en train de l'affronter dans le jeu. Et j'ai plus de ration quand je l'affronte. En fait, il y a toujours le système des rations. Et j'ai plus de ration quand je l'affronte. Pour ceux qui connaissent, et j'ai qu'une seule barre d'énergie. Puis j'ai galère à le tuer. Et je suis en normal. Et j'imagine même pas en difficile. Je veux recommencer en difficile, mais je sens que je vais douiller en difficile. Vous voyez que c'est des cyborgs, c'est pas des humains. Il y en a que eux, c'est des humains transformés en cyborgs. Lui, c'est un humain. Il n'y a pas de code barre. Ça se voit au visage. Vraiment que les ventilateurs et le son du qualité micro va être agréable, ça va être fou, ça me fait trop chier ça. Et on est là. Bon, des petits couteaux, je n'ai jamais utilisé, je sais pas comment faire pour prendre les petits couteaux. Et il a un pistolet, mais le pistolet on ne le saura jamais. Que eux c'est des mercenaires et eux ils gagnent de l'argent en exploitant les missions bah, de mercenaires à tuer les gens et tout. Et si y a la paix, ça fait de travail. Je résume, je sais que vous êtes intelligent, mais bon, je résume quand même, vaut mieux. Bon, allez, blablabla. Moi, c'est vrai qu'on a déjà fait le jeu, on connaît les histoires, c'est un peu relou. Au moins, je vais vous le laisser parce que c'est intéressant quand même. Non, t'inquiète, une fois que j'ai fini ces premiers épisodes, je vais te affronter, je vais te foutre la misère un peu. D'ailleurs, Raiden, il a pas changé, hein, c'est le même. Et lui, il contrôle le Metal Gear. Bon, faut que je fasse le boulet pour le Metal Gear, t'as combien de temps? Je veux pas que ça dure trop longtemps, 15 minutes, on est jusqu'à 30, peut-être 40 minutes. Pour le premier épisode, faut que vous accrochiez, faut pas que de temps. Bon allez, quand vous appuyez sur la gâchette de droite, c'est pour courir à fond, ça fait la course ninja, c'est-à-dire vous pouvez esquiver, tout ce que vous pouvez. Et hop,
Allez. Ouais, ça se voit que c'est facile parce que c'est déjà comme ça. D'habitude, j'ai dû prendre plus de temps pour faire ça. Bah, tant mieux que c'est facile comme ça pour vous, je vais pas trop galérer. Et voyez que là, avec le katana, ça coupe son armure. Ça coupe son armure et ça me permet de pouvoir aller. Hop, 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 hop. Deuxième, 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 deuxième. Je tacle le katana. Hop, voilà. Allez, allez, vas-y. Hop, tac, 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 tac. On se protège, hop. Il se protège tout seul, c'est ça qui est le problème, c'est qu'il se protège tout seul. Et des fois, quand on veut se protéger, il se protège pas, ou quand on veut pas, il se protège. Tac, 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 tac. Ah, arrête de faire tes ralentis là. Ah, tu fais tes ralentis où là? Il est. Oh là là là, il est con. C'est chiant, il est tacticiel comme ça là. Quand on connaît, on s'en fout un peu. Allez, ça pouvait tuer les gens comme ça. Hop, pourquoi serait vous. Allez, enfin, one. Allez, viens, bouffe ça, bouffe ça, les tac, 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 tac. Imaginez, c'est pas excellent. Il est pas excellent ce jeu. Je vous assure, si vous l'achetez. Il paraît que j'ai lu qu'il a une courte durée de vie de jeu. Je vous le dirai quand j'aurai fini le jeu. Mais il en vaut le coup. Moi, je l'ai payé 34 euros. Enfin, ça se voit que c'est facile. C'est beaucoup plus facile qu'en normal. En normal, vous montez d'un cran. Je vous assure. En normal, j'étais pas là déjà. J'ai galéré à le tuer. Hein. Pas galéré, mais j'ai quand même ça pris plus de temps à faire tout ça. Là, il a le katana sur le côté. Après, il va être en. Là, en mode samouraï. Après, il sera en mode ninja. Tac, 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 tac. Faut que j'arrête de faire. Faut que j'arrête d'avoir du bombing. Hein. Je fais un peu comme lui. Du tac, tac, tac. C'est pas grave là, à faire. Et surtout, je le fais beaucoup moins bien que Bobby. Allez, vas-y, c'est bon, viens là. On a compris. Il est à 0,3% parce qu'en bas à droite, c'est le. C'est sa vie, il lui reste 0,3% de vie, moi 66%. Je suis dégoûté, 0,3% de vie. 0,1. 0,1, c'est bon, 0,1. Eh bien. Eh ouais, esquive, man. Ok, YB, hop. Ah, il fait comme. C'est comme Ryu! Dans un épisode, il fait pareil, Ryu. Et la musique, écoutez la bande son est excellente. À chaque boss, ils nous foutent de la musique excellente, je vous assure. Je vais me taire un peu pour vous écouter. Tac, 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 tac. Chaque boss, ils nous foutent une musique entraînante qui nous donne envie de jouer. Ah, une belle image. Et on a découpé le Metal Gear Solid Ray. Et par ex, comme je l'ai dit au début. Et puis on a des classements. Moi je suis tout le temps B, C, D. Et là comme c'est facile, j'ai A. Assister. Et là en haut à gauche, il marque assister. Et ça. Ah, j'ai pas les fonctions. Ok, j'ai pas toutes les fonctions. On va finir ça, je pense. J'ai combien de temps? Ça fait 19. Oui. Regardez, on peut tout couper. On peut vraiment tout couper. Sauf que des fois, il y a des murs qu'on peut pas couper. C'est un peu dommage. Et plus tard, ça nous fait gagner des points. Faire ça vous fait perdre du temps dans les classements, mais ça nous fait gagner des points pour justement les améliorations. Bon, on va faire cette phase-là, et après on va s'arrêter après cette phase-là. Ok? Allez, d'accord, c'est ninja. Allez, allez, cours, 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 faut les retaper. Tac, 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 tac. Allez, allez, allez. Allez, ninja. Et vous avez entendu ma nouvelle phrase d'intro? Avant, j'avais dit bonjour, c'est Scotchok. Après, je vous ai dit bonjour, fan d'armes blanches. Mais c'était compliqué à dire. Maintenant, c'est. Salut Ninja, salut à tous les ninjas. Je vais plus m'orienter là-dessus parce que je trouve que ça fait plus stylé. Et puis, comme je kiffe les jeux ninja et en ce moment, je vous montre des ninjas, Ninja Gaiden, ça. J'espère que vous kiffez. Ce jeu-là, il a attendu. Hein. Mon frère, il a attendu. Vous pensez qu'il aurait débarqué le premier ce Let's Play août. Et j'espère d'autres. J'espère que toi qui regardes ça, tu t'intéresses aussi. Putain, il est revenu. Ouais, Metal Gear, t'as pas. T'as pas lu ça en lui tendant un bras avant, attends. Que je me rappelle.
Allez, bouf, bouf, bouf. Ah non, en fait, ça, c'est plus rapide que les combos normales, juste. Ouais. Il m'est appuyé sur LT, mais. Il n'y avait rien à taper. Vous êtes sûr que moi j'ai mitraille le bouton Y. Vous pouvez faire sur X ou Y, hein, ou triangle et carré, ça dépend de la console que vous êtes. Esquive, 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 esquive. Allez, genre, c'est des petites explosions comme ça que ça fait. Allez, tiens, bouffe, 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 bouffe. Mais il est con, il reste que ça dans le mur. Bon, tu sautes pas haut pour un ninja. Il n'y a pas eu double saut. Qu'est-ce que tu vas me faire? T'es un robot, je suis un petit être humain. Tu merdes, les petits missiles ils ont pas de portée. Oh, mauvais, mauvais, ça pète. Ça a pété, ouais. Bouge pas, merde. Pour mourir, hein, non. Allez, bouffe. Allez, 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 bouffe, 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 bouffe. Ça, le truc avec l'épée comme ça, dans le pied. Allez, hop, 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 hop. Ah, voilà. Allez, katana, mode katana. Tac, 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 tac. Allez, carré, horizontal, Y. Ouais, allez, je t'ai coupé quoi là? Allez, 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 pop, 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 18%. Rien, ramène ta fraise, ramène ta fraise. On se balade sur les toits. Non, 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 on se balade plus, on se balade plus, on court, court, court. Oh, et je l'ai bouffé. C'est pas grave. Allez, tiens, bouffe. Hop, non, c'est bon, il est 21%, 15%. Oh, chaud, chaud, j'ai pas mourir, j'ai pas envie de mourir. Allez, allez, coupe-moi ça, tac, 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 allez, 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 tiens, bouffe, tiens, 1000 morceaux, tiens, allez, de tous les sens. Vous voulez des brochettes de robot? Appelez Ryu. Il n'y a qu'un humain, un humain, comment il ferait de la chair à saucisse? Ah, les trucs, oui, parce que c'est enfoiré. Ouais. Ça, voilà, course ninja, hop, 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 stylé. Ah, c'est un ninja, c'est Raiden. C'est pour ça qu'on peut comparer à Ryu. Il fait les mêmes exploits que Ryu. Allez, bouffe-moi ça. Allez, tac, 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 tac. Avec le pied, c'est pas stylé. C'est pas stylé ce jeu, la musique et tout. Putain, mais il déchire ce jeu. Combien de temps? 23 minutes. Est-ce qu'on s'arrête là-dessus? Est-ce qu'on va s'arrêter sur ce beau truc là? Point de contrôle. Au prochain point de contrôle peut-être, on va s'arrêter. Elle est en cours, on est sur quoi? T'es sur. Hop 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 hop. C'est pas stylé, on peut dire qu'on peut comparer, on peut le comparer à Ryu. Il fait les mêmes exploits, les prouesses que Ryu. Allez, go! Eh, c'est pas stylé. Je pense qu'on va s'arrêter. Rien que sur ça. Je pense qu'on va s'arrêter. Une fois qu'on le tue, on va s'arrêter là-dessus. C'est sûr que ça va donner l'eau à la bouche. Hein. En tout cas, rien qu'à leur faire, je suis excité. Alors, on va s'arrêter là-dessus. Classement B, vous voyez. Classement B, parce que j'ai pris trop de temps à le tuer. Je pense que. Je vous laisse le. Je vous lis l'histoire. Je sais pas si. On n'a pas de temps de contrôle, je sais pas, on verra. Si je vous laisse là-dessus ou non. 25 minutes. Pour la vidéo, pas mal. Et j'ai envie de prendre mon temps et faire ça bien. Pas que ça soit trop long pour que vous ayez le temps de regarder parce que ce jeu est vraiment énorme. Je vous le dis, il est énorme. Allez. Allez, tac, 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 tac. Qui c'est qui vient derrière? On va peut-être finir le premier. On va finir le premier. Je peux pas vous couper celle-là. Attendez, je risque de faire du bruit. Il faut y aller récupérer le chargeur de l'ordinateur. Je ne pense pas le charger. Merci.
c'est asthmatique, vous entendez plein de bruit, je suis désolé. Je sais pas où j'arrête après. Ça aurait été beau, ça aurait été après Metal Gear, mais là aussi. On va finir alors, ça va faire. Ouais, 40 minutes, je pense. Ouais, vas-y. Je peux pas, j'arrive pas à m'arrêter. Bon, allez, vas-y. Hop, 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 hop. Ouais, c'est tout droit, la course ninja, la gâchette de droite. R2 pour les PlayStation et nous c'est les RT. Ah, histoire. On va se lâcher après ça, après le train. Ouais, c'est loin, ça doit faire mal. Ça va faire mal, ça. C'est peut-être un robot, je sais pas. Ouais. Lui aussi, ce ninja là, c'est énervé lui-même. Ta gueule par l'amour. Hop, dégage. Elle a plus de premier ministre américain. C'est du Metal Gear Solid, toujours avec les hommes politiques. Avec les hommes politiques, toujours avec les terroristes. C'est du Metal Gear Solid, tout croché. Je vous invite vraiment à jouer aux anciens. Metal Gear Solid 1 sur PlayStation 1, et puis sur les 2 et le 3 sur la PS2, et le 4 sur PS4. Sur PS3, pardon. C'est dommage qu'il n'existe pas sur Xbox. C'est une licence PS. Je sais pas si le 5 va être sur Xbox, moi je pense. À toi. Allez, à toi. On a fait un beau combat contre un robot, c'est pas un ninja de pacotille qui va nous faire peur. Allez, mais je vais vous laisser là-dessus, sur la fin du combat avec lui. Allez. Ah, ouais, c'est fou. Ah, il est là-bas, allez, hop. Ok, je peux. Il a pas de vie, ok. Allez, bouffe là. Allez, mon katana. C'est fait exprès, hein. Je peux pas le battre. Hein. C'est fait exprès que je perds. Ah non, non, peut-être pas là. Alors ? Ah là, si. C'est fait exprès, il est trop fort. Parce que moi je suis humain, je suis encore déjà humain. Lui c'est un robot. Il est plus fort que moi. Pas stylé quand même. Et on se laissera sur la fin de la cinématique. Tiens, je te bats avec mon pied, moi, je suis plus fort que mon pied. Tiens, bouffe, katana. Tiens, allez, bouffe, tiens, allez. Combo, tiens, ah ouais, on fait pas chier Ryu. Pas Ryu, Raiden. Putain, j'ai confondu. Non, pas que je meurs, je vais pas mourir à lui. Voilà. Ah, je suis dégoûté si je me ravis. Et je vous ai pas montré ce que je voulais vous montrer. Le codec et tout. Ah, je suis dégoûté. Ah, ok, je peux pas mourir, c'est fait exprès. Je voulais vous montrer tout ce qui est codec qui était en rapport avec justement l'autre épisode. Avec les autres épisodes de la série, pardon. Je ferai dans le prochain épisode. De toute façon, on va l'utiliser. Ce sera mieux parce qu'il y aura toutes ses compétences à Red Dead. J'ai fait le périple encore.
On aura toutes ses compétences et je vous montrerai mieux en détail ce qu'il peut faire, tout le point commun qu'il y a avec la lance Metal Gear. J'ai arrêté de blablater, suivi un peu l'histoire. Je sais, j'ai une tendance à blablater pendant les cinématiques. Mais comme c'est à lire, c'est pas grave. Vous voyez qu'il m'a déjà, j'ai plus d'œil déjà, il manque un œil. Oh, je crois que j'ai eu un bug avec le PVR. J'espère que ça passe pas. Ah, je suis dégoûté. Vous voyez sa technique? Comment il a rangé son katana, il relâche et paf, il m'a coupé le bras. Son Raiden a l'habitude hein, de perdre des membres. Mais comment il a fait? Rapide qu'il a fait. Là, il manque un bras. Là on voit que je suis humain. Bizarre de Metal Gear Solid 4. Il y avait du sang blanc. Là c'est toi que ça anime. Allez. Ah, foot. On se bat quand même. C'est comme Mario quand il était blessé. On se bat. Tiens. Ouf. Et puis le bras avec le pied. Vas-y, bats-toi avec le pied. On s'en fout. Vas-y, il me fout une raconte. Mon premier épisode 30 minutes, 35 minutes, c'est impeccable. On a 31. Adieu Raiden. C'est l'émission, hein. Tout le temps il blablate avant d'agir. Ça c'est notre chef ça. Vous voyez le sang sur le train, c'est pas stylé. Ça donne pas envie de continuer le jeu. Je sais pas si j'ai fait le prochain épisode juste après. Non, je vais attendre un peu. Je vais l'affronter le gourou là. L'IA il m'a vénère. J'ai quitté pendant le combat. Je vais l'affronter. Regardez, hop, Pilutriette, Sting. J'espère que ça n'a pas bugué avec le PVR. Avec quand même, il pisse le sang, il manque un bras, il a plus d'œil. Écoutez la musique. C'est pas excellent la musique. La bande sonore, elle est excellente de ce jeu là. Et là, le pauvre petit Raiden. Mais je le verrais bien avec Ryu. Les deux ninjas là, va laisser tomber Ryu et Raiden. Va laisser tomber le duo de choc que ça ferait. Ce serait excellent qu'un jour il fasse un duel en vidéo cinématique comme ça, ce serait amusant. Bon voilà, la fin du niveau, fin du premier niveau. Je vous laisse avec Raiden décapité, avec le final en paix. Mais bon, c'est pas grave.